Cet épisode vous est présenté par Univers Ciné, tout un monde de cinéma. Une société, c'est comme une partie de cartes. Il y a des règles, des joueurs et des gains. Le but du jeu est de rafler la mise. Mais lorsque les règles sont injustes et que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, alors il faut quelqu'un pour les changer. Joker. En 2008 sort The Dark Knight de Christopher Nolan. Second volet d'une trilogie consacrée à Batman. Plus gros succès au box-office cette année-là. Ce blockbuster sombre, à la mise en scène maîtrisée, est considéré comme l'un des plus grands films de super-héros de tous les temps. Et qui dit super-héros, dit super-vilain. Si ce film marque autant les esprits, c'est grâce au personnage du Joker. Incontrôlable, brillant et charismatique. Chacune de ses apparitions crève l'écran. Un personnage qui doit beaucoup à l'interprétation inspirée du comédien qui recevra un Oscar à titre posthume pour ce rôle. Un rôle qui l'aurait rendu fou. Pour préparer le rôle du Joker, Heath Ledger s'est enfermé durant 6 semaines dans une chambre d'hôtel, notant ses pensées les plus effrayantes dans un journal intime. Une exigence qui lui permettra d'incarner au mieux la folie de son personnage. I hated my father. Une folie qui transparaît à chaque instant. Portant un maquillage clownesque et une tenue colorée, le Joker s'applique à semer le chaos à Gotham City. And here we go. Son côté imprévisible laisse croire qu'il agit sans objectif précis, et beaucoup pensent que ses actes sont guidés par la démence. Some men just want to watch the world burn. Une démence qui a connu de nombreux visages. Ennemi le plus emblématique de Batman, le personnage réapparaît dans chacune de ses adaptations. Un antagoniste récurrent qui connaîtra une étonnante évolution. Si en 1989, dans le film de Tim Burton, le Joker incarné par Jack Nicholson est un méchant antipathique, 30 ans plus tard, le Joker de 2019 est devenu un héros attachant. Mais comment un méchant aussi emblématique a-t-il pu devenir un héros? En fait, tout s'est joué dans The Dark Knight. Dans la pop culture, la plupart des méchants sont rattachés à un héros, vivant à travers lui et servant à le valoriser. Longtemps, le Joker lui-même a été le faire-valoir de Batman, un détraqué voué à toujours perdre et faire briller le justicier de Gotham. Pour pouvoir s'en détacher, il fallait donc ternir l'image de Batman et briser à jamais son statut de héros. Un statut que le Joker fera voler en éclats. Afin de renverser Batman, le Joker mettra le chaos à Gotham City. Acculé, le super-héros commettra une série d'actes indignes d'un justicier. Laisser Harvey Dent se dénoncer à sa place. I am the Batman. Choisir de sauver son ex-petite amie plutôt qu'un procureur. Et pirater le téléphone de tous les habitants de Gotham pour retrouver son ennemi. This is wrong. Le public découvre alors un visage décevant de Batman. Celui d'un super-héros dépassé, cachant sous son masque un milliardaire bling-bling et enlisé dans une histoire d'amour. Et si Batman a déçu le public, le Joker l'a conquis. Tout au long du film, le Joker prétendait vouloir semer le chaos à Gotham. Pour cela, il déstabilisera la mafia, fera assassiner des fonctionnaires corrompus et exécutera des chefs de la pègre. Why so serious? Faisant de Gotham City une ville plus saine. Un bilan inattendu, bien loin du désordre qu'il prétendait vouloir engendrer. En réalité, il s'agissait là d'un autre tour de passe-passe. Son désir de chaos cachait son véritable objectif. Oh, you know the thing about chaos. It's fear. Le chaos n'était donc qu'une étape vers une société nouvelle, où l'argent ne serait plus roi, où un flic intègre serait nommé commissaire et où un justicier masqué serait inutile. Une société plus juste. Pour le public, le Joker devenait un justicier. Un public qui sera définitivement conquis grâce à la tonalité donnée par Heath Ledger au personnage. Le Joker traverse le film tel un grand enfant perdu dans un monde d'adultes, se demandant pourquoi tout le monde est si sérieux. Bien qu'étant l'antagoniste,
le Joker touchera profondément les spectateurs. Une émotion qui sera accentuée par la mort du comédien quelques mois avant la sortie du film, changeant l'image du Joker à tout jamais. Une image d'habitude réservée aux héros. Mais qui a dit qu'il fallait un masque et un collant pour en devenir un ? Superman, bon qu'à détruire des buildings. Et Iron Man aide les autres juste pour la frime. Non, les super-pouvoirs s'est dépassé. Après tout, Sam Ganji n'était qu'un simple jardinier. Et Willow n'était pas plus haut que trois pommes. Un véritable héros a juste besoin d'être lui-même. Des enfants ont pu vaincre un démogorgon. Un geek a changé le monde dans Mr. Robot. Et même Wally, le robot éboueur, a sauvé l'humanité. Quant au Joker, il a prouvé qu'un fou aussi pouvait devenir un justicier. Le véritable crime du Joker, c'est d'être devenu le nouveau héros de Gotham. Sacré Joker, son plan a parfaitement fonctionné. Désormais débarrassé de Batman, il va enfin pouvoir vivre sa propre aventure. Si la version du Joker de Jared Leto décevra le public, c'est que le film avait oublié que l'image du Joker avait évolué. On lui y propose un Joker manichéen, cupide et complètement fou. Bien loin de ce qu'il est devenu dans l'esprit du public. En revanche, en 2019, sortira le Joker de Todd Phillips. Un film qui comprendra l'amour du public pour le Joker et achèvera de réhabiliter l'image du personnage. Le film deviendra un immense succès mondial, dépassant même au box-office tous les Batman jamais sortis. Une société, c'est comme une partie de cartes. Il y a des règles, des joueurs et des gains. Mais lorsque les règles sont injustes et que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, alors il suffit d'une personne pour les changer. À bientôt. Et conseil d'avocat, vous voulez faire le mal, faites-le bien. Tous les méchants méritent d'être défendus. Ensemble, on peut changer tout ça. Alors faites un don. Offrez à votre méchant préféré la défense qu'il mérite.